Hello, bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog dans ma vie de maman. On commence par le départ au sport. Je vous ai dit, je me suis mise au sport. C'est pas grande chose, donc c'est juste pour maintenir la forme, perdre un peu le ventre et tout. Allons-y. C'est qui ici? C'est qui là-bas? Qui a signé sur maman? Tu vas faire le sport, non? Je suis arrivée à notre lieu de rencontre pour le sport. Ma coach était déjà là. Elle est très ponctuelle et elle m'a expliqué qu'on devait commencer par les exercices à faire après une césarienne, parce que là, c'était une reprise de sport après la césarienne. Avant ça, elle m'avait conseillé de faire la marche rapide. Et jusqu'ici, c'est la marche que je faisais. Nous avons donc fait des exercices à faire après une césarienne. Nous avons également fait quelques exercices pour perdre uniquement le ventre. Donc, nous allons évoluer comme ça au fur et à mesure. Je t'encourage, toi, maman qui sort d'une césarienne et qui n'a pas encore retrouvé tes formes, surtout le ventre, parce que c'est la partie la plus difficile. Le ventre de césarienne, on ne masse pas, on ne touche pas, on ne fait rien. Je t'encourage donc à reprendre le sport tout doucement, sans te mettre la pression, sans être frustré. Vraiment, c'est tout doucement. Chacun va à son rythme, chacun écoute son corps. Sachez que ce corps a donné la vie, donc on va y aller mollo, mollo. Déjà, c'est un corps à respecter, ne culpabilisez pas, ne vous sentez pas inférieur au mannequin, surtout pas. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'acheter un tapis de sport. Moi-même, je vais veiller à ce que j'aie le mien d'ici peu. N'hésite pas à t'acheter un tapis de sport pour faire les mêmes exercices que tu me vois faire là. Après ce sport, je suis rentrée pour prendre mon sac de marché et bébé m'a accueillie avec les pas. Elle marche depuis quelques semaines, mais avec moi, elle fait genre, elle ne veut pas essayer. Avec ses soeurs et son père, elle fait bien les pas, elle fait plusieurs pas. Elle essaye même de courir, mais avec moi, elle faisait les manières toujours. Quand j'essayais, on m'appelait toujours, viens voir, en courant de la cuisine de la chambre pour venir voir, elle a déjà arrêté. Mais là, elle m'a fait la grosse surprise et j'étais très contente. J'ai donc porté mon sac avec le maïs que je devais écraser au marché et faire d'autres achats pour le repas de la semaine. Je tiens à vous dire merci pour vos retours sur la vidéo, des astuces pour économiser et bien se nourrir. Vraiment, merci beaucoup pour vos retours. Ce qui est beaucoup plus revenu pour faire des économies, c'est avoir un petit champ, un potager pour celles qui ont la possibilité. J'ai donc fait mon marché, je suis rentrée. Aujourd'hui, ce ne sera pas forcément un retour de course. C'est le marché de la semaine, mais je vais vous faire un retour de course une autre fois parce que là, je devais cuisiner et j'étais aussi fatiguée après ce sport. Ne vous inquiétez pas, il y aura le retour de course plus tard. Donc, c'est le même principe, faire l'inventaire dans sa maison. Écris uniquement ce dont on a besoin pour la semaine. Là, j'ai prévu faire le héros ce jour, donc j'ai acheté le watalif, le coq, le mbunga et la peau. Ça devait être un héros très simple et vraiment revisité. La dernière fois, je vous ai expliqué que pour mieux s'en sortir avec son budget, il est très important de manger à la hauteur de son budget. Se nourrir à la hauteur de son budget, acheter les choses uniquement à la hauteur de son budget. Voilà pourquoi ce jour-ci, j'ai décidé de faire un héros vraiment, vraiment simple, uniquement avec les crevettes, le poisson fumé qui est le mbunga et la peau. Et croyez-moi, c'était très bon.
Quand on est limité au niveau du budget, on peut réduire par exemple la quantité des obstacles, sachant qu'une autre fois, quand on pourra faire mieux, on va ajouter le nombre d'obstacles dans notre repas. Donc voilà les petites astuces que je vous passe comme ça pour pouvoir vous en sortir sans toutefois culpabiliser, sans toutefois vous gêner, sans toutefois... L'inflation est mondiale. L'inflation est mondiale. Pire encore pour des personnes qui sont sur budget comme nous autres. Pire encore pour des personnes qui sont dans les pays sous-développés, des pays où le chômage est grave, des pays où le pouvoir d'achat est bas, des pays où le SMIC est catastrophique. Donc courage à nous toutes, nous sommes dans la même galère pour la plupart. À celles qui n'ont pas de difficultés financières, nous rendons grâce à Dieu pour vous. Je tiens à dire merci à tous les abonnés anciens et nouveaux. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Merci de supporter la chaîne, merci de la soutenir. Merci infiniment. Et là maintenant, je vais m'attarder à nettoyer ma cuisinière. Vous savez, je n'aime pas cuisiner sans avoir passé un coup de chiffon, quel qu'en soit ce que je veux faire. Même si j'ai nettoyé la veille, je passe vite fait. Parce que je me dis toujours que peut-être la nuit, le café est monté dessus, peut-être la souris est passée par là. Même si c'est dans ma tête, gars, je nettoie toujours. Pareil pour le plan de travail. Je peux vite faire avec mon mélange de vinaigre, ou bien vinaigre, bicarbonate de soude et eau pour nettoyer avant de faire quoi que ce soit. Là, j'ai fait le feu pour réchauffer notre repas qui était vraiment tout petit. Et après ça, ma fille va faire les œufs en attendant que je cuisine vite fait. Elles avaient déjà déjeuné le matin. Je suis partie au sport, j'ai un peu traîné au marché. Il fallait qu'elle mette quelque chose dans le ventre en attendant que je cuisine. Elle va s'atteler à faire de son mieux, à découper comme elle peut. Je la laisse faire ses erreurs, je la laisse même se blesser le doigt parce que une femme n'apprend pas à cuisiner sans se couper un petit bout du doigt en fait. Pendant ce temps, moi j'étais en train de sortir tout ce que j'avais comme légumes à laver, mélange de condiments verts, piment, gombo et tomates. Et directement, je suis passée au nettoyage de mon watalif. Ailleurs, certains appellent ça l'épinard sauvage. Chez nous ici, c'est watalif. Ça nous sert pour faire le héros. Ailleurs, on fait aussi le héros avec l'épinard même. Comme j'aime bien laver mes légumes avant de les découper, j'ai donc mis une grande bassine d'eau dans laquelle je vais couper deux paquets de watalif et tremper, laver avant de commencer à nettoyer le watalif et les découper. Voilà comment j'ai disposé ce que je vais utiliser, le plateau pour découper, la passoire pour récupérer ce que je vais nettoyer. Le nettoyage ici va juste suffire d'enlever les parties de la tige qui sont dures et me rassurer de bien récupérer sur le légume sans toutefois jeter. Et voilà, ma fille a fini de faire les œufs. Elle va aller manger avec sa sœur. Bébé aussi, on lui donne les omelettes, mais elle appuie ça, elle saccage, elle jette. Je ne sais pas, elle n'est pas trop fan des œufs, que ce soit bouilli ou en omelette. Elle mange juste un peu. Après que les enfants aient mangé, je vais demander à ma fille aînée de m'aider à laver la peau. Parce que la peau que nous achetons ici au marché, généralement elle est cuite et lavée. Mais quand toi tu prends, tu laves encore. Maintenant je m'assois pour découper mes légumes. Je découpe les légumes vraiment gros.
Celle qui s'asseye pour découper le wata-leaf petit petit là, vraiment. Moi, je fais pas ça. Je découpe gros gros parce que à la fin des fins, ça va tout fondre dans la marmite. Ce n'est pas comme le ndolé qui est dur. Quand tu découpes le ndolé gros gros, les feuilles vont rester dans la marmite et ça sera visible. Par contre, le wata-leaf, tout ce que je fais, c'est de découper petit petit les tiges du bout là. Et après, je coupe ça en trois, quoi. Donc dans les saletés, il y aura juste les parties de la tige qui sont dures et les feuilles qui sont pourries ou les feuilles qui sont jaunes. Donc je me rassure de bien récupérer. Et vous allez constater à la fin que j'ai tellement bien récupéré mon légume que je n'ai pas tout utilisé. J'ai fait deux paquets que j'ai mis au congélateur pour une autre fois. J'ai utilisé tout simplement ce qui devait suffire sur mon okok. Maintenant que j'ai tout apprêté, j'allume mon feu, je mets le wata-leaf dans la marmite, je mets la peau, je mets le mbunga et les crevettes. Je mets directement tout au-dessus et je laisse bouillir. La marmite a l'air pleine de légumes, mais après tout ça va descendre. Je mets juste un peu d'eau pour que ça ne brûle pas en bas. Parce que quand ça commence à cuire, là ça peut brûler, donc on met juste un peu d'eau pour que le bas ne brûle pas. Et vous voyez ce que j'ai récupéré, les deux paquets à garder au congélateur. Pour nettoyer le okok, je trempe aussi avec beaucoup d'eau et je me rassure de rincer avec une seconde eau. Être sûr que j'ai vraiment bien lavé ça avant de mettre dans la marmite. Vous savez, les légumes comme ça, c'est facile que ça fasse mal au ventre si on n'a pas bien nettoyé. Vu que ça reste au marché, dans la poussière, on ne couvre pas. Il faut vraiment bien nettoyer avec du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude va venir désinfecter, tuer tout ce qui est pesticide et tout et tout. Maintenant, je viens tourner mon héros et j'évolue dans la cuisson. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur le héros où je vous explique la cuisson avec tous les détails, n'hésitez pas à checker dans les vidéos pour la regarder et bien écouter. Pendant que le héros était dans le feu en train de cuire, j'ai vite enlevé mon watafufu et pétri. Ce watafufu était au congélateur. J'ai enlevé depuis le matin, laissé dégivrer et pendant que le héros était au feu, j'ai enlevé, j'ai bien pétri et là je vais tourner et quand tout sera prêt, on va juste passer à table. Désolée de n'avoir pas terminé cette vidéo comme j'aurais voulu, mais je n'avais plus de batterie et il fallait aller vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de liker, de commenter et de partager.